Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une autre vidéo concernant l'anatomie de l'appareil végétatif des spermatozoïdes. Premièrement, l'anatomie, c'est l'étude de la structure interne de la plante. L'histologie, c'est l'étude des tissus. Alors, dans cette partie, on va parler sur, là on va traiter les différents types de tissus de la plante. Alors les méristèmes. Les méristèmes sont des tissus formés par un ensemble de cellules jeunes et indifférenciées qui se multiplient activement et rapidement. Jeunes et indifférenciées caractérisées par la multiplication active et rapide. Ils sont à l'origine de tous les autres tissus de la plante, ou même si on est à la gare, les autres tissus de la plante. Il existe deux types de méristèmes. Des méristèmes primaires apicaux, qui forment les tissus primaires et assurent la croissance en longueur, et des méristèmes secondaires, qui forment les tissus secondaires et assurent la croissance en épaisseur. Alors pour les méristèmes primaires, les méristèmes primaires, ils sont localisés à l'extrémité, l'apex des racines et des points végétatifs des bourgeons terminal et axillaire. Ici, il y a un méristème primaire collinaire, il y a les points végétatifs via les bourgeons terminal et axillaire. Un méristème primaire racinaire, il y a la racine. Il assure la croissance en longueur. D'accord? Le méristème primaire qui dit la croissance en longueur des tiges et des racines. Alors, ces méristèmes primaires en fonction vont donner des tissus primaires. On va les on les tissus primaires. Il y a un tableau qui a les tissus primaires. Les critères histologiques, les critères chimiques et les fonctions. Alors, on commence par l'épiderme. L'épiderme, c'est le tissu végétal superficiel, forme une couche protectrice continue à la surface des parties aériennes d'une plante. L'épiderme ou la protection, d'accord? Ou une couche superficielle qui est la couche protectrice, d'accord? Les parenchymes. Le parenchyme, c'est un tissu végétal constitué de cellules vivantes qui permettent des communications intercellulaires et une circulation de substances à l'intérieur de cellules. Alors, pour les parenchymes, la nutrition et les réserves, d'accord? La circulation des substances à l'intérieur de la cellule, la nutrition, elle a les réserves également. Alors, pour le colenchyme. Le colenchyme, c'est un tissu végétal de soutien des plantes vasculaires. D'accord? C'est un tissu de soutien. Pour le sclérenchyme, c'est un tissu de soutien plus rigide que le colenchyme. D'accord? Elle est plus rigide, elle a le colenchyme. La cibroïde, le rhizoderme et la cisse tubéreuse ont le rôle de la protection. La cisse tubéreuse a le rôle de la protection, il y a le cébroïde ou le rhizoderme. Alors pour l'endoderme, on a un endoderme en bande de Caspary, on a un endoderme en fer à cheval. La partie tannée de l'anatome, en détail. Voilà les tissus conducteurs primaires, le xylème et le phloème. D'accord? Le xylème qui dit la conduction de la sève brute, le phloème qui dit la conduction de la sève élaborée. Alors, pour le méristème secondaire, il se forme dans les tiges primaires à l'intérieur des feuilles et les parties âgées des racines et des tiges. Et il forme les tissus secondaires. Alors, le méristème secondaire, c'est les tissus primaires. Dans les tissus primaires, on a le méristème secondaire. Ou la formation des tissus secondaires. Au niveau des racines et des tiges, elle assure la croissance en épaisseur. D'accord? La croissance, elle en épaisseur.
و عند كاين عند كاع لي سبيرمافيت على اكسبسيون دي بتيريدوفيت اي دو لا بليبار دي مونوكوتيليدون. Alors, ils sont au nombre de deux. Les smithium, les tissus liquides de l'INA qui formés par les méristèmes secondaires sont au nombre de deux. On parle sur la cis génératrice libérolineuse ou le cambium, d'accord, qui se localise dans les racines et dans la tige et également dans les feuilles. Alors, pour la cis libérolineuse ou le cambium, c'est une fine couche de cellules méristématiques secondaires qui peuvent se diviser activement. Ce qu'on a dans la localisation dit le cambium la racine. Il y en a des arcs cambiaux qui apparaissent d'abord sur la face interne du phloème et d'autres arcs cambiaux se différencient par la suite sur la face externe du xylème. En se rejoignant, ces deux types d'arc donne un pachyte continu et étoilé qui devient rapidement circulaire. Voilà le pachyte continu et étoilé. Alors, le cambium, la racine qui connaît les arcs cambiaux, la face interne du phloème, ou admet qui connaît la face externe du xylème. Dans la tige, le cambium se forme d'abord entre le xylème primaire et le phloème primaire. On parle ici sur les arcs cambiaux intrafasciculaires. Plus tard, il apparaît entre les faisceaux cribovasculaires, les arcs interfasciculaires. Les deux types d'arcs se rejoignent et forment un anneau continu et circulaire, la pachyte qui peut être continue ou discontinue. Alors, la tige qui est maintenant le cambium, le xylème primaire et le phloème primaire. Là, les arcs cambiaux intrafasciculaires. Voilà les arcs cambiaux intrafasciculaires. Après, là, les arcs cambiaux interfasciculaires. Ah, mais les arcs cambiaux interfasciculaires. D'accord. Après, les deux types d'arcs se rejoignent et forment un anneau continu et circulaire. La pachyte peut être continue ou discontinue. Dans les feuilles, elles se forment uniquement des arcs intrafasciculaires. Là, les feuilles, les arcs intrafasciculaires de cambium. Mais les arcs interfasciculaires. Alors, l'organisation. Le cambium est formé de deux types de cellules. Il y a les cellules fusiformes, d'accord? Les cellules fusiformes allongées, ils sont à l'origine des éléments orientés longitudinalement. Ou on a les cellules courtes ou initiales. Initiales des rayons. Ou les cellules courtes sont à l'origine du système transversal. Les cellules fusiformes sont à l'origine des éléments orientés longitudinalement ou les cellules courtes de rayons sont à l'origine du système transversal. Pour le fonctionnement, le cambium entre en activité par des cloisonnements longitudinaux périclines de ces cellules qui se divisent activement sur la face externe et interne. Les cellules dialles le cambium catoucalium division soit la face externe soit la face interne. Ceci met en place des filets radiales des cellules filles qui se différencient en tissus secondaires. Le bois vers l'intérieur. Le bois qui colonne l'intérieur. Ou lève le centre, d'accord? On a la formation du bois. Et le libère vers l'extérieur, vers la périphérie. D'accord? L'extérieur ou la périphérie, quand on a la formation, dit le libère. L'intérieur ou le centre, quand on a la formation, dit le bois. Et là, on résulte une croissance en épaisseur de l'organe. Alors, quand on a une croissance en épaisseur, il se forme toujours plus de bois que de libère. D'accord? Quand on a dit la formation, dit le bois, quand on a la formation, dit le libère.
Voilà, le formation du bois vers le centre, la formation de l'hiver vers la périphérie. Alors, pour les tissus formés par le cambium, notre premier mot, elle est le bois. Ou l'oxylème secondaire, d'accord? Le bois ou l'oxylème secondaire. Alors, le bois, qu'est-ce qu'un bois? On parle sur le bois hétéroxylé et le bois homoxylé. Le bois, c'est l'appareil conducteur de la sève brute. La sève brute sous l'eau et les sels minéraux absorbés par les racines. Alors, on parle sur un bois homoxylé et un bois hétéroxylé. شوفوا هاد لا فيغور الاولى اللي مكتوبه فيها بوا اوموكسيلي هذا راه ان بوا هيتيروكسيلي وبعدين نعطيكم لا جوستيفيكاسيون علاش الوغ لو بوا هيتيروكسيلي كاين عند لا بلوبار ديال لي انجيوسبيرم ديكوتيليدون هيتيروكسيلي سيتادير هيتيروجين اي لي فورمي دي تراشي دو فيبر دو بارانشيم لينيفيي اي بارفوا دو تراشييد هادو كلهم كاينين عندنا في هذيك لا فيغور الاولى اللي كاتبين عليها هما اوموكسيلي الوغ سي ان بوا هيتيروكسيلي هذا كاين واحد الخطا راه هو لو تراشي تما راه لي فيبر في التحت راه البارونشيم اكسيال اي انسي دو سويت الوغ لو بوا اللي كاين في هاد لا فيغور سي ان بوا اوموكسيلي بيان سور سا فو دير هوموجين لو بوا homogène qui est un des gymnospermes, qu'on a le bois hétéroxylé et le bois hétérogène qui est un des angiospermes dicotylédones, ou le bois homoxylé le bois homogène qui est un des gymnospermes. Ce bois est formé de trachéides et de parenchymes lignifiés. Mais qu'il y ait là les trachées ou là les fibres, qu'il y ait les trachéides ou les parenchymes. Remarquez bien comme les trachéides, demain, boudon, mais pas qu'il y ait ces choses là. Ni c'est un bois n'ayant homoxylé. D'accord? Elle a un aspect homogène. Alors, le bois d'un arbre est disposé suivant des cercles concentriques. Ce sont les cernes, d'accord? Les cernes, on met les cercles concentriques qui déposent le bois à la chaque dialogue. Voilà les cernes. Chaque cerne correspond au bois produit pendant une année. D'accord? Les cernes, ce sont des anneaux d'accroissement ligneux qui s'accumulent chaque année sur les troncs d'arbres. Voilà, d'où il y a la photo des cernes. Alors, les cernes, il comprend une boie de printemps au bois initial. Il est clair et toujours interne. Il est formé par les éléments conducteurs, possède un grand diamètre. الوغ داك البوا كلير لاحظوا داك البوا كلير اللي تيبان لكم تما غادي تلقاو دابا ديك السيرن كتكون من واحد لابوند كلير وواحد لابوند سومبر هذيك لابوند كلير هي لو بوا اللي كان في لو برانتون فورمي دون لو برانتون هذاك البوا تيكون كلير و تيكون ان غرو عنده ان غرون ديامتر لو دوزيام بارتي ولا لا دوزيام بوند كتكون اون بوند سومبر Et en position externe, il est très riche en fibres et pauvre en éléments conducteurs qui ont un petit diamètre et une paroi très épaisse. Alors, dès que la partie sombre, qu'est-ce qu'on a le diamètre réel par rapport à la partie claire. Alors, le bois d'avant qui est formé en deux parties. Le bois de printemps qui est clair, ou le bois initial, ou le bois d'automne, ou le bois final. Maintenant, on va parler sur le liber. Le liber, il était formé par le cambium. Alors, pour le liber ou le phloème secondaire, c'est l'appareil conducteur de la sève élaborée. Le liber est formé de tubes criblés auxquels peuvent être associés des cellules parenchymateuses, des cellules campagne et des fibres. Le liber est beaucoup moins épais que le bois, d'accord? Elle est formée de couches concentriques très minces. Les couches concentriques qui couvrent le liber très minces par rapport aux couches concentriques qui couvrent le bois. À Kakalash, les cernes sont très difficiles à observer. Qu'est-ce que je les cernes
Alors, pour les rayons libéraux ligneux, ont le même rôle de réserve que le parenchyme. Le parenchyme a un rôle de réserve et de nutrition. Les rayons libéraux ligneux ont un rôle de réserve, d'accord? C'est essentiellement à leur niveau que se stockent les produits de la photosynthèse. Ils favorisent aussi les liens et les échanges transversaux entre le bois et le libère, ce qui donne à l'arbre une certaine élasticité et le rend plus résistant aux différentes causes de déformation comme le vent, la neige, et ainsi de suite. Alors, pour les rayons libéraux ligneux, le rôle de la réserve. Ou les échanges entre le bois et le libère, d'accord? نبتة ولا لارب كتكون عندها واحد ليلاستيسيتي مرونة باش تكون ريزيستونت مرنة في التكيف مع الأوضاع. الوغ بور لو فيلوجين لا سي سوبيرو فيلوديرميك لو فيلوجين il apparaît après le cambium, d'accord? Le cambium تيكون هو الاول عاد من بعد كيبان لنا لو فيلوجين. L'accroissement diamétral qui résulte de la formation des tissus conducteurs secondaires provoque l'éclatement des tissus externes. Ces derniers sont remplacés par des nouveaux tissus protecteurs secondaires formés par le phélogène. Alors, le phélogène sera formé par des tissus protecteurs, d'accord, secondaires. En principe, ce dernier n'existe pas dans la tige et la racine des décotylédones herbacées. Mais qu'est-ce qu'il y a de la tige? Ou même de la racine d'aller décolleter les dents herbacées. Né dans les feuilles d'une manière générale. Ou gars, mais qui fait les feuilles. D'accord? Le phélogène, mais qui fait les feuilles. Alors, pour la localisation d'y le phélogène. Dans la tige, la première racine subérophélodermique apparaît à une profondeur variable. Le phélogène peut être circulaire et continu ou en forme de petit arc contigu. D'accord? Il peut être circulaire, continu. Ou les mécanicons en petit arc. Les plus souvent, plusieurs arcs apparaissent en position de plus en plus profonde. Le premier phélogène peut rester fonctionnel pendant toute la vie de la plante. Il sera fonctionnel durant toute la vie de la plante. Il peut aussi être remplacé par d'autres acides génératrices. Dans la racine, l'origine du phylogène est généralement profonde ou elle péricycle. Alors, l'origine du phylogène, la racine ou elle péricycle, elle peut se former également au milieu de l'écorce ou superficiellement sous l'assise pellifère. Alors, pour les tissus formés par le phylogène, on a droit à le suber ou le liège, ou on a droit à le phylodère. D'abord, on a le cambium qui atteint le bois ou là le libère, ou on a le phélogène qui atteint le liège ou là le phélodère. Alors pour le liège ou le suber, le liège est formé de cellules mortes jointives aplaties radialement. Il assure la protection de la plante contre le froid, la sécheresse et l'attaque des parasites. D'accord? Pour la respiration des tissus sous-jacents, elle se forme des lenticelles. Les lenticelles, ce sont des pores ou des canaux. D'accord? Ce sont des ondes de liège à cellules dissociées. Ou mal des pores ou là des canaux. Les cellules qui sont dissociées. Ou mal les qui la respiration des tissus sous-jacents. D'accord? Il y a deux juste de la respiration ou de la protection. هنا فاش كنهضروا على لي لونتيسيل داكور لي لونتيسيل هما واحد الثغرات يكونوا بين سميتو بين لي سيلول ديسوسي. الوغ بور لو فيلودير ماتنو او لو بارانشيم سكوندير ال بوت اتر كلوروفيليا او دو ريزيرف يمكن لي يكون كلوروفيليا ويمكن لي يكون دو ريزيرف ال سوفون بو ديفلوبي شي لي زوفورب سوكيلونت ال جو لو رول de parenchyme aquifère. And les euphorbes succulentes, ils jouent le rôle de parenchyme aquifère.
D'accord? تيلعب هاد الدور عند هاد النوع ديال النباتات. Alors, pour la structure anatomique des spermophytes, à d'une durée, inch'Allah, la vidéo j'aille. N'hésitez pas à poser vos questions et vos propositions dans les commentaires. Et salam alaikum.